Alors, euh, ne vous fiez pas à mon grand sourire hein, de début de vidéo, le sujet dont je vais parler aujourd'hui n'est pas un sujet qui est forcément très plaisant, euh, c'est un sujet un peu difficile, mais euh, malgré le déni dont ce sujet fait l'objet, euh, il me semblait absolument indispensable de, de, de l'évoquer, d'en parler avec vous aujourd'hui. Alors, je vais parler aujourd'hui euh, de, de l'inceste euh, et des agressions sexuelles. Il s'agit d'un problème majeur et réel, mais un problème également dans notre communauté, contrairement à ce qu'on peut penser. Aucune société, ni culture, euh, ni croyante, non, ni croyance n'en est épargnée. C'est vraiment une erreur que de penser que nous en sommes exemptes. Chez les Maghrébins ou les Africains, ça existe aussi, et plus qu'on veut bien le croire. D'ailleurs, ça existe également dans les trois monothéistes, puisque Notre Seigneur en a parlé dans les trois livres saints. C'est un interdit, c'est un tabou euh, qui existe absolument dans toutes les religions. Au départ, euh, quand euh, j'ai évoqué l'éventualité ou j'ai pensé à l'éventualité de faire une vidéo portant ce, sur ce sujet, euh, ben, comme tout le monde, j'ai ressenti, euh, ça a généré en moi des émotions telles que la nausée, le dégoût, le cœur, l'écoeurement. J'étais un peu réticente à l'idée de parler de ce sujet, euh, mais je crois que c'est indispensable que je sorte de ma position euh, et que euh, je parle pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes patientes euh, au nom de beaucoup de mes Patientes, mais également au nom de, de beaucoup de personnes que je rencontre, euh, en dehors même de, de, du cadre de ma patientèle ou de, de, de mon exercice professionnel. Alors, euh, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, euh, mais également, je vais surtout vous expliquer ce qui se passe dans la tête d'une femme qui est victime d'inceste et plus largement d'agression sexuelle. Alors, l'inceste, c'est une relation sexuelle entre membres proches d'une même famille, euh, mais par exemple, mes parents, ma fratrie, mon grand frère, euh, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, euh, mais c'est également euh, entre, euh, entre des personnes ayant un lien de dépendance avec vous. Alors, une personne ayant un lien de dépendance avec vous, ça peut être quelqu'un qui a un ascendant sur vous, donc ça peut être votre baby-sitter, ça peut être la voisine qui vous garde, ou le voisin qui vous garde, ça peut être un religieux, ça peut être un raki, ça peut être un médecin. Bref, une tierce personne euh, qui a une forme d'emprise en tous les cas, qui a une position d'ascendant, comme je dis sur vous. Alors moi ici aujourd'hui, ce dont je, ce que je veux évoquer, euh, c'est les agressions sexuelles incestueuses. Voilà, c'est c'est le, le plus important pour moi. Euh, c'est pas de parler de l'agression sexuelle en, en règle générale. C'est vraiment de ce qui se passe quand c'est dans une famille, dans une même famille. Alors on parle d'agression sexuelle quand on impose un contact physique à l'autre. Mais pas seulement, en fait. L'agression sexuelle, elle est aussi dans le fait d'imposer un regard, une parole, euh, ou bien le fait d'imposer euh, à l'autre euh, des expositions à des images ou à des vidéos. Par exemple, euh, moi, si mon grand frère, il m'impose de regarder un film porno à côté de lui, ou euh, si je dors dans la même pièce que mes parents et euh, mes parents euh, savent que je suis réveillée et ont un rapport euh, entre eux. Ben, là, à ce moment-là, euh, c'est illégal. C'est illégal parce que ça va avoir des conséquences sur euh, sur mon psychisme. D'ailleurs, c'est un crime qui est puni par la loi. Le code pénal considère que c'est même ce sont même des circonstances aggravantes quand c'est un membre proche, euh, tout simplement parce que l'impact psychologique il est beaucoup plus grave. Euh, et d'ailleurs, on parle en psychologie de, de meurtre psychique. C'est un meurtre euh, dans le développement psychologique, dans le développement psycho-affectif, mais aussi psychosocial. Euh, de l'enfant. Alors, si vous avez été agressé avant vos 15 ans ou jusqu'à vos 15 ans, vous allez avoir 20 ans pour porter plainte. Et cela après votre majorité. Donc, ça veut dire que si vous avez été agressé, je ne sais pas moi, jusqu'à vos 15 ans, eh bien, vous avez 23 ans pour porter plainte. 15 ans, on rajoute 3 ans et les 20 ans auxquels vous avez droit. Statistiquement, euh, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, répandu qu'on ne le croit, et surtout, euh, moi, je vais vous donner quelques chiffres parce que et, et, ils illustrent un petit peu la raison pour laquelle beaucoup de femmes euh, restent dans le silence. Euh, pourquoi beaucoup de femmes euh, cachent, cachent cette réalité qui est souvent perçue comme honteuse pour les victimes, euh, mais aussi qui est perçue comme honteuse pour les membres de la famille. Alors. On sait que, euh, selon une enquête Ipsos, 45% des victimes d'agressions sexuelles ont moins de 9 ans. Euh, on sait que dans 98% des cas, les agresseurs sont des hommes de moins de 15 ans, pour, de, de moins de 18 ans, pardon. Ce qui explique pourquoi aussi, euh, beaucoup, moi ce que j'entends beaucoup dans le discours, c'est « il était jeune, il savait pas, euh, bon, il comprenait pas bien ». Voilà, ça, ça va être des arguments qui vont amener la victime à minimiser la gravité, mais aussi les, les, les proches hein, de la famille à minimiser la gravité euh, et aussi l'inconscience de certains, certains parents qui, parce que... Euh il est jeune, ben il peut dormir à côté de sa petite sœur. Ou parce qu'il est jeune, euh, ils peuvent tous dormir ensemble dans la même pièce. Hein. Nous, euh, les Maghrébins, hein, vous savez, c'est, euh, euh, c'est pas pour généraliser, dans, généraliser dans les préjugés, mais je pense que n'importe quelle Maghrébine a dû connaître ça quand elle part en vacances euh, dans le pays d'origine de ses parents, euh, euh, en Afrique, hein, peu importe le pays. Euh, c'est un peu une tradition hein, de dormir tous ensemble, tout, de mettre tous les enfants ensemble dans la même pièce et euh, les grands dorment séparément. Ben, ça, c'est absolument quelque chose de, de, de dangereux. Dans 70 à 85% des cas, l'agresseur est connu de la victime. Dans 90% des cas, les victimes ne portent pas plainte. Alors, les chiffres que je vous donne, euh, même si c'est une enquête Ipsos, il faut bien savoir que ce sont des chiffres qui sont euh, absolument sous-estimés. Pourquoi c'est sous-estimé, c'est minimisé bah, Tout simplement parce qu'il y a une omerta autour de ça et que les gens ne parlent pas, qu'on n'a pas suffisamment de statistiques. Il faudrait que tout personne qui a été victime d'agression sexuelle et d'inceste euh, parle sauf que ce n'est pas le cas donc on ne peut pas, nous, avoir des, des, des chiffres euh, réels. En, en, en tous les cas, ce que l'on sait, c'est que 6% des Français soit française, soit 4 millions de personnes euh, sont ont, ont été euh, agressées sexuellement euh, dans l'enfance. Donc, euh, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que 5, 50%, donc une euh, victime sur deux, n'en parle pas et n'en parlera surtout jamais. Un véritable rejet, un véritable déni euh, du parent ou des parents à voir ou à accepter ce qu'a vécu ou ce que vit l'enfant. Il y a seulement 54%, c'est juste incroyable, il y a seulement 54% des victimes qui sont crues par la famille. Et seulement dans, dans 31% des cas, l'agresseur finit par reconnaître les faits. Alors, vous me direz, mais pourquoi elles mettent autant de temps à parler si c'est vraiment, si ça s'est si vraiment passé, pardon, pourquoi mettre autant de temps pour, euh, mettre sur la place publique et dénoncer ce qu'elles ont vécu? Alors, si les femmes, euh, ne parlent pas, c'est parce que elles ont elles-mêmes été victimes d'un phénomène psychologique et très particulier, euh, qui s'appelle l'amnésie traumatique. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. C'est indispensable euh, que des femmes qui ont été victimes de ça, mais également des proches de personnes qui ont été victimes de ça, comprennent ce qui se passe. Alors je vais essayer d'être la plus concise et la plus claire possible. Euh, au pire, vous ferez arrière, hein, vous reviendrez sur la vidéo, mais il faut vraiment que vous compreniez. Alors, selon une enquête de l'association, AIVI, c'est l'Association Internationale des Victimes d'inceste. Il existe également la euh, lAVI, l'Association des Victimes d'inceste. Donc selon une enquête de cette association datant de 2010, euh, là encore faite par Ellipsos, il faut attendre 16 années avant de pouvoir en parler pour la première fois. C'est un phénomène donc l'amnésie traumatique qui euh, est connu depuis un siècle, euh, mais que beaucoup ne, ne non, dont beaucoup n'ont jamais entendu parler. Alors, donc, les victimes vont vivre ce que je disais, l'amnésie traumatique, euh, soit une amnésie qui va être parcellaire, c'est-à-dire qu'elles vont se souvenir de certaines choses et oublier certaines choses, soit absolument complète. Alors, c'est une conséquence euh, sur le psychisme des, des personnes qui sont finalement euh, victimes d'elles-mêmes. Euh, elles sont victimes de ça parce que c'est ce qui les empêche, comme elles ne se souviennent pas, c'est ce qui va les empêcher d'aller porter plainte, c'est ce qui va les empêcher de, de raconter parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas claires avec ce qui s'est passé et donc, comme elles ne sont pas cohérentes avec leurs souvenirs, elles vont hésiter en parler, elles ont bien ce sentiment que si elles vont porter plainte, ça ne tiendra pas la route. Euh, mais en même temps, c est, c est un, même si c'est un handicap, euh, en même temps, en fait, c'est un secours de notre esprit. C'est ce qu'on appelle un mécanisme défensif, également euh, nommé mécanisme euh, dissociatif. De sauvegarde. Alors là, moi, je vous parle d'agression sexuelle, euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on a bien observé, bien étudié chez des personnes qui ont, euh, par exemple, euh, vécu, vécu des traumatismes dans, dans des guerres, euh, et notamment quand ils sont actifs en fait de, de leur trauma. Enfin, en tout cas, qu'ils se pensent actifs dans leur trauma. Euh, donc, c'est ce qu'on a pu observer chez des soldats qui ont été faire la guerre et qui, au retour de, 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 de leur combat hein, de, du front, ils sont absolument incapables de restituer le souvenir ou l'ensemble du souvenir. En fait, ils vont être dans un brouillard, ils vont être dans ce qu'on appelle un trou noir. Euh... Ils sont incapables de dire exactement ce qui s'est passé. Sauf que là où on va trouver le plus d'amnésie traumatique, c'est-à-dire je suis incapable de me souvenir, amnésie c'est l'oubli trauma, c'est-à-dire que c'est un oubli dû à un traumatisme, là où on trouvera le plus d'amnésie traumatique, bah ça va être chez les victimes, qui, chez les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. On sait que euh, chez 60% des femmes victimes d'agressions sexuelles, euh, dans 60% des cas, elles vont développer une amnésie traumatique parcellaire complète. Alors à quoi c'est dû? D'abord c'est très fortement dû au fait bah, que l'agresseur il est proche. Euh, et tant que le tant que l'agresseur va être proche de la victime, tant que l'esprit va être obligé en fait de refouler le souvenir de, 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 du trauma. Je ne peux pas vivre avec lui normalement, le côtoyer, le regarder, en même temps me souvenir constamment de ce qu'il m'a fait, de ce qui s'est passé. On sait euh, également que le souvenir bah, il va réapparaître très souvent de façon absolument brutale. Euh, bah, en fait, c'est que d'un coup, la mémoire elle revient euh, avec des détails très précis, comme si c'était hier. Alors euh, pour un rien dans l'amnésie traumatique. Euh, on ne sait pas pourquoi, on n'en on, on, on comprend pas très bien la raison. D'un coup, en fait, j'ai un flash, une scène comme ça qui, qui me revient. Je vais ressentir les odeurs, je vais avoir les sensations comme, comme ce que j'ai pu vivre dans, dans mon enfance. Et puis ça me déborde. Il voilà. faut vraiment imaginer, moi l'exemple que j'aime toujours à mes patientes, il faut vraiment imaginer que c'est comme si le souvenir, parce que j'ai pas d'autre choix, parce que je suis petite, parce que je vis encore avec mon agresseur, ou que je côtoie mon agresseur, il faut imaginer que le souvenir de ce qui s'est passé, on le met au congélateur. Voilà. Il faut imaginer que l'agression, elle a été congelée. Il hein, eh ben, faut imaginer que ce souvenir et les émotions qui sont en rapport, en lien avec ce souvenir, il faut imaginer que ce souvenir et les émotions qui l'accompagnent vont être stockées dans une boîte noire ou euh, congelées en moi. On ne le sait pas, mais c'est là. Euh, des fois, j'ai des patients qui me disent, euh, euh, au bout d'un an de thérapie, c'est énorme un an de thérapie, au bout d'un an de, de thérapie, qui me disent... D'un coup, ça m'est revenu. Voilà, je viens d'avoir un flash et une révélation. Euh, elle, elle savait pas que c'était en elle, mais c'était là. C'était où bah, C'était en elle. Et euh, je n'ai pas besoin de vous faire un cours de, de psychanalyse hein, pour vous expliquer que notre esprit il est constitué de différentes strates, de différentes instances, et notamment l'inconscient. Alors, l'agression, c'est un stress intense qui pourrait engendrer sur le plan... Cardiovasculaire et sur le plan neurologique qui pourrait euh, engendrer un risque vital, donc des conséquences. Euh, L'événement, ce, ce que va vivre la, 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 la jeune fille, c'est-à-dire euh, mon grand frère, mon oncle, le voisin euh, qui vient euh, dans mon lit, qui met sa main dans ma culotte, qui se frotte sur moi ou même qui me viole, et eh ben ça, ça va paralyser la victime. Euh, et par action du, du cortex, du cortex pardon, cérébral, qui Contrôle la production euh, de, des hormones du stress, eh ben euh, votre cortex va être paralysé. Il va y avoir des mécanismes neurologiques de sauvegarde qui vont être mis en place. Alors, premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va y avoir euh, une anesthésie de l'amygdale cérébrale qui est à l'origine de vos réponses émotionnelles. Donc, la personne, l'enfant, va être complètement anesthésié sur le plan émotionnel et sur le plan psychique, euh, et sur le plan physique, pardon. Mais aussi en même temps, et finalement c'est par lapsus, elle va vivre ce qu'on appelle la dissociation. C'est-à-dire qu'elle va avoir le sentiment euh, de se, se séparer de son corps, de se diviser d'elle-même, et elle va avoir le sentiment euh, presque d'être spectatrice, en fait, de ce qui est en train de se passer, et elle va se percevoir sans émotion. Et souvent aussi, c'est ce que me rapportent mes patientes, c'est ce qu'elles me disent, est ce que rapportent les patientes victimes d'agression sexuelle, elles disent Ouais, mais j'ai pas réagi. Donc si je n'ai pas réagi, en fait, c'est la preuve qu'en fait j'étais consentante, c'est que j'étais d'accord et que finalement, ce n'était pas, pas si grave. Dans un deuxième temps, elles vont vivre euh, une anesthésie de la communication entre l'amygdale cérébrale, qui contient la mémoire sensorielle et la mémoire émotionnelle, et euh, une anesthésie avec, donc, entre l'amygdale cérébrale et l'hippocampe qui gère euh, la mémoire cognitive. Donc c'est là, c'est cette partie de votre cerveau qui s'occupe de stocker les souvenirs. Donc, comme il n'y a plus contact, en fait, entre, entre les deux, entre l'hippocampe, euh, et l'amygdale, bah, l'hippocampe, il peut plus faire son travail, en fait, d'encadrage et de stockage de la mémoire. Et donc, ben, bah, finalement, la mémoire de l'événement, elle va rester dans l'amygdale à l'état brut, euh, sans avoir été nommée, sans pouvoir être traitée, euh, ni transformée en, en mémoire autobiographique. Donc, euh, à ce moment-là, parce qu'elles sont victimes de ce qu'elles sont en train de vivre, euh, elles vont être incapables de faire, dès le moment où elles sont victimes de ça, elles vont être incapables euh, de mettre des mots et de se souvenir de ce qu'elles ont vécu. Voilà, la, la, c'est la raison pour laquelle euh, nous, les psychologues, en tous les cas, quand euh, quelqu'un a vécu euh, un événement traumatique, vous savez, il y a souvent des cellules de crise, Voilà, les, les psychologues, on débarque tout de suite, oui, parce qu'on veut empêcher, en fait, ce, ce mécanisme. Donc, tant qu'il y aura coupure euh, entre, ces, entre ces deux mémoires, ben, tant que la personne n'aura pas accès à ce qui, à, à qui s'est véritablement passé. Euh... Mais dès que la personne elle va être plus forte psychologiquement, elle va grandir. Euh, quand elle va euh, se sécuriser, quand elle va avoir les épaules, euh, quand elle va devenir adulte, et eh ben, euh, elle, le souvenir va, va réapparaître. Alors moi, c'est un exemple que je donne toujours à mes patientes et que je, que je dis toujours c'est une image, mais faut imaginer que vous êtes une petite fille. Voilà, euh, vous êtes une petite fille et moi, je vous impose euh, un acte sexuel qui est euh, incestuel ou pas, mais en tout cas, c'est une agression sexuelle à un âge où vous n'êtes pas Psychiquement, physiquement, affectivement prête à le vivre. Ben, C'est comme si moi je vous disais, vous allez porter euh, ce sac, vous avez, vous avez 5 ans ou 4 ans ou 6 ans et je vous dis, portez ces, ces sacs de 200 kilos. Vous êtes incapable de les porter, vous n'avez pas le corps. Mais moi je vous dis, si, 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 vous allez les porter. Et vous allez les porter ces sacs. Vous allez les porter, mais ce c'est pas sans conséquence sur le plan physique. Bah ben, c'est pareil sur le plan psychologique, sur le plan psychique. Si moi maintenant je vous demande de porter ces sacs euh, à l'âge de 30 ans ou de 40 ans, enfin en tout cas à l'âge adulte, bien sûr que vous arriverez à porter ces sacs sans qu'il n'y ait euh, absolument aucune séquelle. Donc dès que la personne euh, est, est beaucoup plus forte psychologiquement, quand elle est quand elle est sécurisée, euh, pardon, et souvent quand euh, ben, quand elle est adulte hein, et que surtout elle est plus en contact avec son agresseur, ben là le souvenir va revenir. Euh, si elle va vivre des situations de, de violence qui vont lui rappeler ses premiers traumas, euh, ben la connexion peut se refaire en fait entre son amygdale et son hippocampe. Et si la connexion se refait, hein, une connexion entre les deux, ben il euh, y a une connexion en fait entre la boîte noire et la mémoire. Et là tout remonte. Alors là tout va revenir euh, sur le terrain de l'espace psychi psychique et euh, la personne elle va vraiment avoir l'impression en fait de, de remonter le temps. Elle va avoir l'impression que c'était comme si c'était hier. Euh, euh, voir comme si elle hallucine elle, elle me dit elle, elle va pouvoir me dire euh, euh, bah là je le vois je le sens il est il est il est là c'est comme si c'était hier euh, et c'est là où ça va devenir dur en fait c'est là que ça devient dur euh, parce que c'est là qu'elle est véritablement confrontée à sa douleur euh, et comme c'est un phénomène qui n'est pas suffisamment connu bah souvent les patientes les personnes victimes de ça euh, bah, ne vont pas être crues quand, on va, quand elles vont raconter ça, elles vont, et on va leur dire mais c'est maintenant que tu t'en souviens, c'est maintenant que t'en en parles. Et puis euh, comment tu peux te souvenir de quelque chose alors que de, de quelque chose aussi nettement alors que pendant si longtemps tu t'en souvenais pas Et puis comment tu peux te souvenir aussi de plein de détails comme ça alors que tu étais petite Bref, elle ne va pas être crue dans son discours, comme elle n'a pas été crue la première fois dans son discours. Comme la première fois, on n'a pas porté de crédit à ce qu'elle a pu dire. Si elle a parlé, encore faut-il qu'elle ait parlé. Et ben là, à l'âge adulte, elle là encore, elle ne va pas être crue, on va pas porter de crédit. Et donc elle va vivre un double trauma en fait. C'est comme si elle était dans de nouveaux euh agressée sexuellement. Donc elle va être obligée, malgré elle, dossier entre des phases d'oubli. Et de rappel, d'oubli et de rappel. Alors ça, soyons euh, bien au clair, c'est quelque chose qui se soigne. On peut travailler sur cela. Euh, on peut travailler sur son amnésie traumatique et la majorité euh, des, des, des personnes qui travaillent dessus, euh, ben elles, elles vont beaucoup mieux, elles sont beaucoup plus au clair, beaucoup plus apaisées avec elles-mêmes. Sauf que la majorité des femmes qui sont victimes de, de, de violences sexuelles et d'inceste, et surtout d'inceste, ben elles sont pas aidées psychologiquement, elles sont pas protégées et puis elles ne sont pas soignées. Alors, ce n'est pas sans conséquence. Il faut vraiment entendre, et ça, je m'adresse euh, aux personnes qui sont proches de femmes qui ont été agressées sexuellement. Euh, il faut bien comprendre que ça, ce qu'elles ont vécu, euh, ça a un impact euh, sur elles. Ça va avoir un impact sur le plan familial, sur le plan social, euh, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel. Ce sont des femmes qui ont des risques beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, d'aller vers la délinquance, d'aller faire la fugue, d'ailleurs, euh, là encore, c'est toujours selon une étude Ipsos, euh, par Parmi les, les jeunes femmes qui, font, qui sont délinquantes, qui sont dans la délinquance ou qui font des fugues, on a entre 30 à 55% euh, qui, qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Elles vont également, euh, sur le plan de la santé, bah, développer des problèmes de santé, et notamment la fibromyalgie. Euh, là aussi, on sait que parmi les femmes qui souffrent de fibromyalgie, 90% ont été victimes d'agressions sexuelles. Elles vont développer à l'âge adulte des problèmes sexuels, euh, notamment une euh, hyperactivité sexuelle avec euh, plus de 50 partenaires dans, dans, dans leur vie. Euh, elles pourront également euh, aller vers de la prostitution. Et là encore, on sait que parmi les prostituées, 76 à 90 des femmes ont été victimes d'agressions sexuelles. Euh, ça va aussi avoir des conséquences sur le plan psychologique. Hein. Euh, notamment, elles vont ressentir beaucoup de culpabilité beaucoup de peur, elles vont développer des anxiétés ce qu'on appelle des tares, des troubles anxieux généralisés euh, elles risquent de développer beaucoup plus également des dépressions euh, d'ailleurs on sait que chez les, euh, les, les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, il y a 12 fois plus de risques d'aller vers une tentative de suicide de faire des TS, euh, également ce sont des femmes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés sur le plan affectif ce sont des femmes qui auront beaucoup plus de mal à gérer leurs émotions et notamment une émotion qui est culpabilisante qui est la colère euh, ce sont des femmes euh, dans 40% des cas qui ne se marieront jamais, qui n'arriveront jamais à avoir une vie euh, affective, une vie amoureuse stable. Euh, également, ce sont des femmes euh, qui pourront aller vers des addictions, notamment la toxicomanie. Il y a dix fois plus de risques de développer une toxicomanie quand on a été victime d'agressions sexuelles. Elles pourront également, quand elles ont une religiosité et qu'elles ont un garde-fou, hein, qui est la religion, euh, elles pourront également développer des troubles des conduites alimentaires notamment la boulimie euh, ce sont des femmes qui euh, ont de grands risques de, de s'auto mutiler on sait que parmi les femmes qui s'auto mutilent 58% euh, des femmes qui se mutilent euh, ont été victimes d'agressions sexuelles bah ça on le comprend en même temps elles elles n'aiment pas leur corps elles détestent leur corps donc euh, elles ont une souffrance en elles qu'elles n'arrivent pas à comprendre qu'elles n'arrivent pas à verbaliser <laughs> Et euh, c'est très inquiétant de souffrir sans qu'on sache pourquoi. Donc quand on, quand on se fait mal, quand on frappe notre corps, ben là la douleur on sait, on sait pourquoi on a mal. Elles vont extérioriser leur mal-être et elles se voient la douleur, donc elle est beaucoup plus gérable, beaucoup plus supportable. Euh, également, ce sont des femmes qui risquent de développer ce qu'on appelle une revictimisation, c'est-à-dire que euh, elles vont sans même le savoir, sans même en avoir conscience, euh, se mettre en danger et se mettre dans des situations où elles vont être euh, victimes ou elles vont être exploitées. Donc, euh, c'est indispensable, c'est primordial, selon moi, il était indispensable, absolument primordial, de d'évoquer ce sujet parce que c'est une gangrène, c'est un grand problème euh, dans le monde, pas seulement dans notre communauté. Mais moi, si j'ai fait le choix aujourd'hui de vous faire cette vidéo et d'essayer de vous faire comprendre, en fait, de vous permettre de comprendre ce qui se passe pour ces femmes, euh, c'est parce que je pouvais pas rester dans le silence. Alors, euh, comme je vous le disais en début de, de, de vidéo, j'étais hésitante, je me disais. Euh, est-ce que oui ou non j'allais aller au bout de cette vidéo et est-ce que oui ou non j'allais assumer aussi moi ce que moi il m'est arrivé parce que j'ai moi-même été victime d'agression euh, sexuelle dans l'enfance incestuelle, mais bon moi c'était un cousin euh, mais je me suis moi-même demandé est-ce que j'allais aller au bout de ma démarche et est-ce que j'allais faire cette vidéo euh, pas pour mes patientes pour toutes les femmes en, en règle générale au début euh, j'ai eu honte j'ai été gênée j'en ai parlé autour de moi et finalement je me suis dit si j'ai honte et si j'ai du mal à parler de cela. En fait, je reste dans ma position de victime. Il faut bien que vous entendiez, pour les femmes qui ont été victimes d'agression sexuelle et notamment d'inceste, que vous êtes les victimes et que ce n'est absolument pas à vous d'avoir honte. Vous êtes les victimes. À toutes les petites filles euh, qui ont souffert, à toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui et qui ont été salies dans leur corps. Et dans euh, je vous jure qu'on peut grandir je vous jure qu'on peut guérir et qu'on peut s'épanouir de ça euh, s'il vous a ou ils vous ont volé une partie de votre innocence de votre insouciance ils ne vous ont pas tout volé à vous aujourd'hui de parler Libérer à vous de, de, de vivre, à vous de sortir en fait de ces traumas. Euh, moi aujourd'hui, si je prends la peine de vous faire cette vidéo, c'est parce que je vous compreniez que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à avoir honte. Je n'ai pas à avoir honte et vous n'avez pas à avoir honte parce que vous êtes les victimes et tout ce que vous avez vécu s'explique, se justifie et surtout, surtout, euh, bah ouais, je suis une psy qui en parle. Vous avez le droit d'être heureuse et vous avez le droit de sortir de ça. À toutes et à tous, je vous souhaite la paix du cœur et de devenir des clés du bien. Salam alikoum. رحمه الله وبركاته